Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Selim dit à ses parents qu'il ne veut pas les voir. Nilgun dit qu'il leur manque beaucoup. Selim dit que vous n'êtes pas mes parents. Sangis dit nous t'avons élevé et pris soin de toi donc nous sommes tes parents. Selim dit félicitations vous m'avez élevé mais je ne veux pas vous voir ici. Mélissa arrive et demande ce qui se passe. Nilgun l'agresse et lui demande ce qu'elle fait là. Mélissa lui dit qu'elle n'a aucune explication à lui donner car Nilgun n'est personne pour Selim. Nilgun lui dit tu as atteint ton but. Nilgun attrape la main de Mélissa pour la faire sortir et la traite de profiteuse. Selim s'interpose et défend Mélissa en disant que c'est grâce à elle qu'il sait toute la vérité. Il demande à ses parents de quitter la maison. Sangis dit écoute ne nous blâme pas Ok c'est par amour qu'elle a fait ça et qu'il leur manque énormément. Selim dit Ok vous m'avez vu vous pouvez partir maintenant. Nilgun insiste en prétextant qu'elle veut nettoyer la pièce mais Mélissa rétorque qu'elle peut nettoyer elle-même donc Nilgun ne peut partir. Les parents de Selim s'en vont. Senet confronte Arzus et Madi à Senet qu'elle a toujours cru à son innocence. Senet la remercie. Senet demande à Arzu pourquoi tu as voulu te débarrasser de moi, pourquoi tu me détestes autant. Personne dans ma vie m'a jamais fait autant de mal. Au même moment Kaya arrive chez les soyeurs. Sema demande à Arzu son problème avec Senet. Arzu dit qu'elle n'a pas de problème avec Senet et que toutes les épreuves prouvent la culpabilité de Senet et elle chasse Senet de la maison. Senet accuse Arzu d'avoir fait ça pour rendre Mélissa heureuse et lui demande si cela a fait d'elle une bonne mère. Kaya frappe à la porte. Arzu dit à Senet qu'elle est coupable et de ne me pas blâmer quelques-uns d'autres pour ça. Kaya en entrant il aperçoit la confrontation entre Senet et Arzu. Il s'éclipse discrètement. Senet dit à Arzu que tu ne me feras plus jamais de mal car je m'en vais. Senet remercie Sema et s'en va. Senet sort de la maison en pleurant. Kaya la voit de loin partir. Arzu est triste dans sa chambre. Sema entre lui demande ce que Senet l'a fait et pourquoi pour le bonheur de Mélissa elle fait souffrir une orpheline. Arzu chasse Sema, ferme la porte en colère et pleure. À l'entreprise Mahir est au bureau. Oran entre s'étonne de le voir là. Il ironise. Mahir s'énerve contre Oran et le plaque au mur en le menaçant. Oran est choqué de la réaction de son frère et s'en va. À sa sortie, il croise Sangis qui l'annonce que Mélissa vit maintenant avec Selim. Cette nouvelle étonne Oran. Kaya entre et voit Sema qui le reconnaît. Kaya prétexte avoir perdu un objet venant de son père lors de sa dernière visite. Sema l'invite à s'asseoir. Arzu descend et tombe dans les escaliers en voyant Kaya. Elle se cache tout âpre. Kaya fait la conversation avec Sema. Arzu remonte dans sa chambre pour que Kaya ne la voie pas. Elle est paniquée. Se demandant ce que Kaya cherche, elle court, prend son arme et s'enferme. Mélissa ouvre la porte et voit Senet. Elle lui demande ce qu'elle fait ici. Senet dit qu'elle est venue voir Ali mais Mélissa la chasse en lui disant qu'elle n'a rien à voir avec Ali. Senet dit qu'elle l'attendrait de toute façon. Pour lui dire au revoir ce que Mélissa s'en moque et dit que Senet est venue supplier encore Selim. Senet dit c'est Mélissa qui n'aime pas Selim. Elle est juste obsédée par lui et qu'elle est égoïste sinon elle le laisserait être heureux avec la personne qu'il aime réellement. Kaya demande la route, il donne sa carte de visite à Sema. Kaya invite Sema dans son échoppe ce qu'elle accepte. Kaya dit qu'il a trouvé un collier à terre à l'entrée. Arzu en pleure toujours paniqué va à la fenêtre pour voir Kaya partir. Il s'arrête un moment manque de peu de l'avoir l'espionner. Sema tape à la porte. Arzu court cacher la revolver. Sema voit le désordre demande ce qui se passe. Arzu lui dit rien. Elle lui dit qu'un monsieur a trouvé un collier à la porte et qu'il pourrait appartenir à Mélissa. Arzu se souvient que Kaya lui avait offert ce collier dans le passé et qu'elle l'avait refusé. Elle dit à Sema de le jeter. Sema sort suspicieuse. Arzu ferme la porte paniquée et s'affaisse au sol. La nuit la trouve dans cette position dans le noir. Elle allume enfin la lumière énervée se regarde dans le miroir. Décidée. Elle prend la carte de Kaya et l'appelle. Kaya est dans sa voiture devant la maison de Senet. Il reçoit un appel. Il voit que c'est Kavidan heureuse. Il décroche. Kavidan lui demande ce qu'il veut d'elle. Il lui dit tu me manques qu'il y a longtemps. Arzu lui dit que cette Kavidan qu'il a connue n'existe plus. Elle lui demande où il est qu'elle va le voir.
Kaya dit toc mais après car pour le moment il a quelque chose de plus important à faire. Il raccroche. Arzu prend son arme en colère. Senet est assis devant la porte quand Selim arrive. Senet lui dit qu'elle l'attendait pour lui rendre la bague de fiançailles et lui dit au revoir et de prendre soin de lui. Selim lui demande sa destination, elle dit qu'elle veut changer d'air, elle lui fait un câlin et s'en va. Selim regarde la bague qu'elle lui a remis et court derrière Senet mais celle-ci s'est cachée derrière les arbres. Elle pleure. Kaya est chez Mukaddes, il se plaint qu'ils ont laissé Senet partir. Mukaddes dit que Senet veut juste respirer, qu'il la laisse un peu respirer. Kaya ne comprend pas cela. Beste entre, on lui demande si elle a vu Senet aujourd'hui, elle dit non. Beste propose de voir dans la chambre de Senet. Selim vient à la maison de Senet et l'appelle, mais elle ne décroche pas. Il va frapper à la porte de Senet, Mukaddes l'ouvre, lui dit que Senet est absente et l'invite à entrer. À son entrée il voit Kaya assis. Beste entre et montre la lettre que Senet a laissée et décide d'appeler Senet. Senet prend un billet et voit l'appel de Beste et finit par lui répondre. Beste lui demande de revenir mais Senet lui demande de prendre soin de sa grande mère. Au téléphone, Beste entend le microphone de la gare et arrive à localiser Senet. Elle dit à la famille où se trouve Senet. Kaya se précipite à la gare. La grande mère lit la lettre de Senet. Celle-ci lui dit qu'elle n'est pas en colère contre elle mais elle est fatiguée de toute cette souffrance et a besoin de se reposer. Elle ne comprend pas pourquoi sa mère l'a abandonnée et soudain ce père qui vient de nulle part. Selim s'assoit, Melissa vient et voit la bague dans les bras de Selim, elle est énervée. Senet triste est devant le train pour embarquer. Arzu dans sa voiture appelle Melissa, Melissa décroche, Arzu lui dit qu'elle aime plus que sa vie et qu'elle est la chose la plus précieuse pour elle. Arzu dit qu'elle aime tellement, elle raccroche le téléphone et sort de sa voiture. Melissa est intriguée par cet appel et en parle à Selim. Selim souhaite sortir Melissa sachant que c'est pour aller voir Senet, essaie de l'empêcher. Il ouvre la porte, c'est Toran. Il donne un coup de poing à Selim, lui dit qu'il a fini d'utiliser Senet, maintenant c'est Melissa. Kaya arrivée à la gare cherche Senet, Arzu aussi est arrivé à la gare pour voir Kaya. Senet regarde une famille qui prend soin de leur petite-fille. Kaya retrouve Senet étonnée, elle lui demande ce qu'il fait là, il lui dit qu'il est son père et si elle part, il part aussi avec elle. Elle dit qu'il ne peut pas la suivre, Kaya dit qu'elle ne peut pas tout laisser tout derrière elle et s'enfuir, Senet dit qu'elle ne veut pas se venger. Dans la discussion elle finit par l'appeler papa, ce qui surprend et rejoint Kaya qui lui demande de répéter le mot papa. Senet dit papa. Kaya émue se lève et dit à l'assemblée qu'elle est sa fille. Melissa arrête la bagarre entre Oran et Selim. Oran demande à Melissa de quitter la maison, de faire ses bagages pour venir avec lui. Melissa refuse. Selim dit qu'il n'a pas obligé Melissa à venir vivre avec lui et que c'est elle-même qui est venue vivre avec lui. Oran l'interrompt et dit que Selim n'aime pas Melissa et il dit à Melissa qu'elle ne doit pas être avec quelqu'un qui ne l'aime pas. Elle dit que sa place est avec Selim. Kaya sort du train, Kavidan le voit, elle sort son arme de son sac et le pointe sur Kaya au moment de tirer. Elle voit Senet sortir du train qui prend Kaya dans ses bras. Ce qui choque et étonne Arzu. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.